Salut à toutes et à tous, c'est 7fa71, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur UFC, eSport, UFC pour être plus précis. Petite vidéo donc découverte du gameplay en lui-même. J'ai juste fait le mode d'entraînement donc il y a déjà quelques jours de cela, et depuis je n'ai plus retouché le jeu puisque je n'ai pas eu le temps, voilà tout simplement. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner également en vrai combat. Donc bon, je dois avouer plutôt que c'était joli. Le mode d'entraînement était plutôt joli graphiquement. Une nouvelle mise à jour des combattants est disponible. Téléchargez-la dès à présent pour recevoir les modifications. Ok. Est-ce que ça se télécharge? Ah d'accord. Très bien. Collecte des informations de la boutique. Oui, je ne sais pas vraiment ce que ça a foutu là. Ça, d'accord. En fait, je pense que c'était plutôt la mise à jour qui fait rapport avec la PS4. Allez, bon, moi ce que je veux c'est jouer, là c'est pas papoter pendant je sais plus combien de temps à regarder les écrans qui se défilent les uns et les autres. Ah, très bien. Alors, accueil, jouer, alors bon, très bien, ça me fait penser un peu à FIFA, leur bordel, là, du coup. Qu'est-ce qu'il y a dans personnaliser, donc attends, alors, personnaliser, paramètres, des paramètres de jeu, créer vos propres combattants. D'accord. Gérer vos paramètres de jeu audio et gérer vos paramètres d'effets visuels, tiens, du coup. C'est intéressant ça, les effets visuels. Ah oui, d'accord. Je pensais que ça allait être un truc du genre, tu règles un peu comme tu veux. Mais non, oui, ça fait ça. En même temps, ça va être un peu bidon qu'il fasse le même truc que sur PC alors que t'es sur console. Alors, gérer les paramètres du compte, non. Moi, je veux gérer le jeu. Difficulté débutant. Oui, c'est très bien parce que j'ai absolument jamais joué à cette licence là, UFC. Si une fois, c'était lequel, je sais plus, c'était Brock Lesnar qui était sur la boîte. Voilà, donc l'UFC, je ne connais que dalle, je ne connais absolument rien. Et là, vous me direz, pourquoi t'as acheté le jeu alors qu'il y est? Alors, attends, hack, jouer. Combat immédiat, entrer dans l'octagone. Combat immédiat, ouais, bah attends. Par peur à la didacticielle, tadadada. Combat immédiat, voilà. Donc, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, tout simplement, il avait de bonnes, on va dire, de bons aperçus et tout. Beaucoup de gens disaient qu'il allait être beau, etc. Donc là, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un que je connais là, des fois. Je sais pas, bon, par exemple, Brock Lesnar, tiens, pas, le catcheur que je peux pas blairer. Mais là-dedans, c'est pas toujours. Ah, il y en a un paquet. Bon, au moins, ça vous montre un peu qui c'est qu'il y a, c'est génial. Mon dieu, oui. Attends, il y en a enfin un qui. Ouais, je crois qu'on a fait le tour là, non? Ah oui, les Silva, là, on les a déjà eu. Qu'est-ce que je prends? Ah, mais on va prendre Général 95. Silva, ouais, vas-y, je vais prendre l'autre là. Tu as eu lieu là. Contre un blond, très bien. Match du round, combat, temps accéléré. Ah bah attends. Type de combat, ah mince, temps accéléré, normal, accéléré, très bien, passer au combat, MGM le grand, Staples Center, vas-y on va faire Staples Center, vas-y hop, passer le combat, passer au combat plutôt, ouh yeah, vas-y on va se taper sur la gueule là, ça va faire du bien, donc comment on est, je vais perdre, si ça fait comme sur UFC, bah je crois que c'était 2011 hein, que j'avais, ou un truc comme ça sur PS3, j'ai fait deux matchs dessus, je n'y ai plus touché, bien que parce que non le jeu était bien fait, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Anderson Silva, vous devez garder un dragon enfoui en vous en cas de besoin, libérer le dragon. Libère le dragon. D'ailleurs, il y a Bruce Lee dans ce jeu, pour ceux qui ne le savent pas. Et je me suis fait un peu couillonner sur le bordel, parce que si Crix précommandait le jeu, t'avais le droit à Bruce Lee. Eh ben non. Du coup, j'ai pas le droit à Bruce Lee. Même si j'ai précommandé le jeu pourtant, donc j'ai pas le droit à Bruce Lee. Je suis un peu deg. Dans la catégorie des light heavyweight, entre Anderson the Spider Silva et Alexander the Mauler Gustafsson. D'accord. La version française est assez étrange. Hein. On sera d'accord avec ça. Je vais peut-être mettre la version normale, parce que... Alexander Gustafsson qui va faire son entrée dans la cage. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas très fan de l'action pour ce genre. La grande force de Gustafsson, c'est d'apprendre de ses échecs. Après sa défaite contre Phil Davis, il a demandé à s'entraîner avec ce dernier pour combler ses lacunes. Ancien champion de boxe amateur, mon dieu. 16 points en carrière. Ouh. Bon, à part ça. On va voir mon Gugus, moi je vais voir ce qu'il dit mon Gugus, ça se trouve c'est une grosse merde, tu sais. D'accord, ça y est, il est dans le carré du combat là. Attention. Il fait des petits tours tranquillement. Je fais des tours de piste, j'aime ça. Ah voilà, là ça va être moi là. Attention s'il vous plaît, applaudissements pour le King of King. Ah ouais, ça craque déjà pas le mec. Anderson Silva qui va faire son entrée dans la cage. Bon, ça se trouve, c'est le gros mec surcheaté qui gagne tout, tu sais. Eh, mais les graphismes sont vraiment super bien faits, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Anderson, The Spider
Silva, considéré comme le meilleur combattant de tous les temps par beaucoup de monde. Ah d'accord, un des meilleurs mondiaux, record de top 10 défense du titre, la tech down puissant, donc aujourd'hui tu vas te faire massacrer mon gars, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû te prendre aujourd'hui. Je sais pas si j'ai bien fait en fait. Très bien, je m'en rappelle plus du tout, mais bon, on va faire en sorte de s'en rappeler. Même le short bouge un peu, regardez, ça peut bien faire. Bon, il fait le macaque là, à part ça, c'est pas... Voilà. Bon, 39-27. Ah, il a 39 ans, machin, de Dieu, il est considéré comme meilleur combattant. Bon, peut-être que maintenant il se bat plus, mais... Ah, il a un nom français, Yves Lavigne, ça fait français. Right now, ça va commencer. bon, allez, non, ça commence pas tout de suite. Par contre, le mec, quand même, je tiens à préciser une chose, c'est qu'à écouter tout à l'heure, il a quand même une meilleure voix que le mec français. Hein. Bon, attends, à part ça, est-ce que je vais faire attendre parce que, en fait, je crois que les commentateurs français, ça va juste me saouler. Paramètres. Audio. Attends, c'est où? Diffusion. Spectateur. Octogone. Merde, on peut pas. On peut pas, peut-être. Attends, statistique. Eh ben, on peut peut-être pas. Anderson Silva. Oh, oui, il avait l'air d'une. De très... Allez, c'est je sais pas du tout c'est quoi les touches. Attends, c'est comment déjà pour se protéger? Je sais pas, c'est peut-être que je connais au moins les boutons pour me protéger parce que. Le coup ne passe pas. Tiens! Je connais même pas le... Attention, je vais essayer de te foutre par terre. Ah, ah oui. Vas-y, attention. Il me semblait que c'était un petit bouton là. Hop. Il encaisse ce coup de genou. Vas-y, commence. Ah, c'est quoi? Je crois que c'est ce bouton. Attends. Voilà. Tiens. Hop. Bah, c'est toute beauté ce match. Tiens. Attends, mais je m'en fais plus. J'aurais peut-être dû refaire un coup d'entraînement avant. Ouch! Ah, je suis par terre! Le meilleur combattant de tous les temps est par terre! Allez, debout! Allez, debout! Allez, allez, debout! Allez! Comment je fais pour mettre debout? Je sais pas. Ah, voilà! Ah, très bien, allez! Voilà, tiens! 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 Superman punch, joli! Allez! Oh, je fais tout le temps le même coup! Pourquoi? Oh, d'accord, t'es original celui-là! Allez. Ce direct touche la cible. Ah, mais faut autre chose, un petit coup de pied là dans la tête. Tout en puissance. D'accord, c'est un coup de pied ça. Très bien, vas-y, tac, chope-le. Voilà. Je peux pas le foutre par terre. Je sais pas trop comment faire pour le foutre par terre. Normalement, c'est avec le joystick. Coup de genou, réussi. Un enchaînement impitoyable. Allez. Lâche-le, voilà. Bon, très bien, je ne comprends pas. Je sais pas de toute façon comment ça marche, comment ça... Allez, mais tu vas en prendre cher, mon pote. Tiens. Oh, moi aussi, t'as vu. Bam. Oh. La boîte. Non, mon Dieu, elle est là-bas, la boîte. Très bien. Et je crois que je l'ai séché d'un coup, là, comme ça, là, regardez ça. Et bim. Contre son visage. Et c'était la fin. Bon, ça va, en fait, finalement, c'est peut-être pas si horrible que ça. Allez, en match, on fait pas très attention. Oh là 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 là, il a vraiment pris cher le mec. Regardez ça. Boum. Allez. Ouais. Enfin, en fait, le jeu est très beau. Mais le problème, c'est les animations et la puissance du coup sont très étranges. Bon, heureusement que j'ai pris lui parce que sinon, j'y serais vraiment pas arrivé. Ouais, I win this match. Désolé, bad boy. Bon, allez, je quitte un peu ça parce que là. Recommencer, quitter.
Je vais regarder vite fait dans les trucs. Je vais refaire encore un combat, dernier petit combat. Je vais faire une vidéo pas très très longue. Au moins, c'est rapide pour moi pour uploader, etc. etc. Didacticiel. Non, mais si je vais pas retour à parcourir le didacticiel. Défi, apprenez à combattre. Dites parcourir le didacticiel, ça me fait chier de refaire le didacticiel. Vous savez quoi, on va faire un dernier match comme ça. On va prendre un autre gars. Alors attends, ah poids lourd, poids léger, poids bantam, poids Batman, bon, j'ai... poids mouche, ouais on va prendre des poids mouches. Alors, tac, donc je prends celui là, donc 96, donc je pense que j'ai... Non, je vais prendre un normal cette fois, 90, 89, voilà, je vais prendre peut-être l'autre 89, voilà, ah non, toi t'es une ta gueule, je vais pas prendre toi, oui moi je suis comme ça, oui, oh putain. J'aime bien sa moustache, donc je vais le prendre. Ah, mais il a 90, ouais, c'est pas grave. Allez, débutant. Bon, à mon avis, si je mets ça, je me fais défoncer. Facile, débutant. Oh, bah attends, on va mettre facile. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on va monter en difficulté au fur et à mesure. En tout cas, j'aime bien. J'aime beaucoup, mais une fois que je saurai vraiment manier le truc, à mon avis, ça va être beaucoup plus intéressant. Faudrait-il que je réussisse à m'intéresser au jeu pour cela. Enfin, je veux dire par là, à jouer à ce jeu, mais ça risque d'être très compliqué. Sachant que... il y a Sniper Elite 3 qui va arriver, donc je pense que je vais passer plus de temps sur un jeu comme Sniper Elite 3 que sur ce jeu-là. Il faut que je finisse Red Dead Redemption, à ne pas oublier. Il faut que je... Enfin, j'ai tellement de jeux à jouer, quoi. Voilà, après, il y a encore quoi qui arrive au mois de juillet. Il y a The Last of Us. Oui, je te fais, il n'y a pas grand-chose au mois de juillet, je crois. Dans la catégorie des flyweight entre Ian Uncle Creepy McCall et John the Magician Dodson. D'accord, l'autre, il a une tête bizarre, hein, encore une fois. Vas-y, je vais quitter ça. Voilà, hop, on va quitter l'intro pour une fois. Ouh, l'arbitre a l'air chinois. Alors, j'aime bien l'animation des shorts. Oui. Vas-y, tiens, hop. Tiens. Vas-y, je te chope déjà, mon pote. Et, ah, d'accord, c'est très bien. Hop. Attends, on va se reposer un petit peu. Voilà, hop. Tiens. Voilà. Le clinch à nouveau évité. Je sais pas du tout. Attends. Ouais. Et hop. Joli crochet à la tête. Je sais pas du tout. Ouais, juste taper dessus. Attends. On peut taper dessus là? Hein? Crochet, ça passe. Belle lutte pour les underhook. Attends, c'est quoi? Je vais lâcher. Faut vraiment que je comprenne comment ça marche. Attends. Lâche. Voilà. Hein? Tiens. Eh, mais moi je sais même plus comment on me protège. Hein, donc. Il me semble vers l'arrière, non? J'en sais rien. Attends, j'ai plus de puissance là. Il rate sa cible. Attends. Ah! Mais lâche-moi! Pélé! Tiens! Coup de pied! Ski. Ouais, je vais refaire le didacticiel après de mon côté. Hop. Voilà, allez. Il cherche à placer un coup de pied à la tête. Bah ouais, hein, tant qu'à faire. Il porte un crochet à la tête. Oh! Oh! Oh putain la vache! Oh, je suis KO! Oh, je suis KO! Oh, je suis KO! Ah, je suis KO. Oh. Ah, c'est bon, je suis pas KO, KO. Ouh. Menton de fer. Bah ouais, mon pote. Putain, qu'est-ce que tu crois? Ah oui. Il est sonné. Vite. Ah. Comment on le fout par terre? Je vais le foutre par terre, moi. Tiens. Je vais le foutre par... Non, lâche-le. Vite, c'est trop dangereux. Super coup de pied à la tête. Oh putain, dommage. Oh! Ah, je crois que j'ai fini. Ah oui! Ouais. Chier, je vais pas rester sur une défaite. Il faudrait que je puisse savoir. Bah, c'est vraiment ce manuel dans la boîte en fait. Parce que. Mais le didacticiel est tellement complet, ce jeu il est tellement bien fait. Qu'en fait, vous avez même pas besoin de boîte, mais il est tellement long. Voilà, il m'a séché d'un coup. Bah, c'était bien. Mais ce qu'il y a, c'est que je. Là, j'ai loupé mon truc et là, il m'a foutu un pauvre coup de coude qui m'a complètement séché. Ah, je suis deg. Bon, on s'en fout un peu. Vas-y, attends, je vais recommencer le match. On peut? Ouais, on peut direct, nickel, hop. Oui, on va recommencer. Bah, bien sûr, attends, j'ai eu un menton de fer, mais il m'a battu quand même, ce con. Ah, attends, ça fait quoi si j'appuie sur L? La tête. Je crois que c'est R2 et L2. Hop. Ce
Ah ouais, c'est ça. Ah bon, j'ai compris que Japon protégé, c'est déjà pas mal. Ah, attends, viens comprendre quelque chose. Et bah voilà. Ah, ça fait plaisir. Je dirais même surtout dans cette posture. La situation pourrait bien très vite se retourner. Allez, vite, vite, relâche. Non, non, ah. Oula, quel violent hammerfist. Superbe contre qui lui permet de passer en full mount. Il est passé dans son dos. Vas-y. Il marque des points. Je peux pas... Ah. Dodson en mount. Tiens, lâche-moi. Touche sa cible. Oh, il se fait corriger. Il est en mauvaise posture. Tiens, tiens. Et ça connecte. Il a repassé dans son dos. En fait, là, c'est moi qui fais de la merde parce que je sais pas comment on se dégage en fait. Il est de retour en full mount. Ouais. Bon oh. Au sol. Je connais pas les touches. Je suis trop con aujourd'hui. Refaire le détecticien avant. Attends. Hop. Je sais pas comment je me relève de ça. Sa défense est trop bonne pour que ça passe. Putain, si je fais tout le temps la même chose, ça me gave. Ah, je suis en soumission. Attends. Ciao. Là. Superbe défense, surtout dans cette position. Il est en train Allez, de mais détruire. Putain, je veux juste nous sauver là. Putain, comment faut faire, nom de Dieu. Y a pas un cible. Truc qui dit des touches là. Paramètres. Ah, merde, paramètres. Comment? Ah, bah voilà, clinch au sol. Au sol, au sol, au sol. Défense, modification, soumission. Posture haut, se relever, appuyer, prise, coup de poing, coup de genou, frappeur, hein. Attends, position avancée, passage balayage, position avancée, tentative de soumission, R1 plus, corps, pesage, balayage, tentative de soumission, défendre contre une soumission, R2, se défendre contre un relèvement, R2, attends, se défendre contre une soumission, direct, direct corps, correct. Attends, merde, je fais quoi? C'était L1, voilà. Il faut que je sois que je fasse R2 bas, non, R2 haut. Du droit. R2 haut. Ne faudrait pas qu'il en prenne beaucoup comme ça. Putain, je comprends pas. Je vais faire, attends, c'était quoi? Est-ce que c'est R2 comme ça? Un coup qui touche. R2. Je peux pas me relever. Ah bah quand même, putain, la vache. En fait, je clique sur le bouton depuis tout à l'heure, mais ça marche pas, quoi. Il cherche à l'essouffler. Joli crochet du droit après cette. Attends, par contre, je regardais qu'il fait quelque chose. Encore une fois, je suis... Excusez-moi, hein, mais bon, c'est de la vidéo découverte, comme je l'ai dit. Paramètres, commande. Debout. Alors, take down, after touch. L2, stack, L2, stack, L2, plus L1, plus... D'accord. Slide puissant, donc L2, L1, et le right, hop. Tentative de clinch, c'est quoi le clinch? Crochet, hypercut. Ah, hypercut, c'est intéressant ça, un hypercut. Front kick, left, croix rond. Ah, d'accord. Il rate son gauche. Head kick dans le. Hop, ouch. Oh, bah là. Le jab touche, il joue le tout pour le tout. Oh, je suis encore séché. Putain. C'est pas juste, pourquoi? Non mais je veux le match maintenant que je connais les touches là, je reveux le match, voilà, donc j'avais recommencé, et mais j'arrive pas à gagner dans ces jeux, c'est un truc de dingue, c'est ça qui me saoule en fait, c'est faut tellement connaître les touches, etc, sinon c'est vrai que c'est kiffant, mais oh là là, qu'est-ce que c'est dur, et pourtant je suis en facile, hein, allez, hop, fous-moi la paix, dégage, direct à la tête, ça touche, waouh, un bel équilibre qui lui permet d'éviter cette projection, allez. C'est raté. Il envoie un beau coup de pied. Le takedown ne passe toujours pas. Ok. Voilà, très bien. Il saisit la jambe et l'emmène au sol. Il touche avec ce gauche. Je sais pas comment on fait les soumissions. Attends, je reviens. Attention, soumission. Touf, tac, tac. Frappe, hausse. C'est quoi ça? Position ça. Thomas Hawks, tac tac.
se défendre contre un, se défendre contre... Tentative de soumission, R1 plus right dans n'importe quelle direction, d'accord. Tac. Bah ça marche pas. Ah ça y est. Merde. Il passe en full garde. Allez, on se relève, on se relève, on se relève, on se relève, on se relève. Putain, c'est pas vrai. Et pourquoi moi je suis... Il marque des points. Ah, je crois qu'il va me faire une soumission. Tiens! Relevons-nous! Et ça va reprendre. Allez, hop! McCall ne parvient pas à toucher. Voilà, j'ai réussi à contrer, hop. Et je me prends des KO à chaque fois, c'est ça qui est violent. Putain, oui, hop, alors, tiens, hop. Coup de coude. Les underhooks sont placés. Il encaisse un autre crochet. Lâche, 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 lâche. Voilà. On se sépare. Tiens. Le head kick qui passe. Mais oui, mais ils passent tous à côté mes kicks. Hop, voilà. Ça enchaîne. Tiens. Ouch. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Il l'a presque anéanti avec ce coup de coude. Quel puissant crochet. Ce crochet a marqué des points. Il rentre en allez, course allez, pour reprendre son souffle. En fait, fous-la par terre. Putain, faut pas. Bon bah voilà, où je suis séché encore. Mais j'arrive pas à gagner, putain, un jeu de merde. Voilà, bon, ça me saoule, c'est clair. Donc, je vais arrêter la vidéo maintenant après 3-4 défaites, là j'en sais rien, ça me merde, j'arrive pas à gagner, je sais pas, les touches ne fonctionnent pas, j'en sais rien. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu sur UFC, machin truc. C'est de la merde, voilà, donc ne l'achetez pas. Non, je déconne. Non, c'est un bon jeu, mais bon, voilà, il faut comprendre comment ça marche. Moi, c'est pas vraiment du tout la discipline que je regarde et que je. Voilà. Moi, les jeux que je mieux limite en sport, c'est limite le tennis, voilà, avec le catch, au moins tu comprends quelque chose. Là, c'est très compliqué, donc bon, on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye!